c'est ce que tu me disais. Dis pour faire quoi? Pour Rayo Spaghetti. Ah. Donc, j'étais en train de nettoyer en bas la cage d'escalier, je rangeais les outils que j'avais utilisés. Mmh. Tout d'un coup, j'ai entendu un espèce de... vraiment un gros bruit comme ça, un espèce de vram, un truc très fort. Et je me suis dit, mais c'est... moi, j'avais l'impression que c'était dans l'immeuble, parce que ça fait vibrer les portes. Ah ouais? Oui. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, bah, si ce n'est, avec les travaux du local du rez-de-chaussée, il y a eu un problème avec l'appartement du premier. Donc, j'ai pris les clés, je suis allé voir l'appartement du premier, je suis allé regarder le sol, pour voir s'il y avait quelque chose. Et il n'y avait rien, et donc je me suis dit, bon... Mais c'est vrai que je n'ai pas fait le lien, parce qu'après, juste après, il y a eu plein de sirènes de pompiers. Ah. Autour, et je me suis dit, bon, là il s'est passé un truc quelque part, mais j'avais aucune idée ce que ça pouvait être, quoi. Ouais. Le dimanche, 9 9 avril 2023. Et de nouveau à Marseille après le 5 novembre 2018, il y a eu un immeuble qui s'est effondré à Marseille. Je l'ai vu ce matin en me levant. Là, je suis autour, j'ai vu un peu un groupe de pompiers. Et des policiers qui gardent certaines routes. Alors même qu'hier, bah justement, j'étais... Enfin, j'ai fait quelque chose autour... j'ai mentionné le 5 novembre 2018 dans un article. Et là, comme ça, le lendemain, c'est un peu... voilà. Une nouvelle fois. Il faut voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Déjà, ce qu'il faut distinguer, c'est que... maintenant, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il n'y avait eu quasiment que des morts. Là, apparemment, il y a déjà des gens qui ont été pris en charge, mais il peut aussi y en avoir. Mais il y a 5 ans, ça signait surtout la déchéance de l'ère Gaudin. Et là, maintenant que ça se passe dans cette nouvelle municipalité, comment est-ce que ça va être pris? Il y a un journaliste, je crois, de France Bleu, de radio d'ailleurs, des policiers qui passent, des gens dans la rue, il y a beaucoup de camions de pompiers dans la rue, je crois qu'il y a plus de voitures qui passent, donc voilà, et là c'est là où on en est, voilà, c'est pas... C'est pour qu'il puisse circuler, je pense. Ah ben, là, la grille. Vous fermez les commerces, vous ne Là, à l'instant, il y a une mère avec sa fille, je crois, son enfant et son père qui viennent de sortir de leur appartement en pyjama, sûrement parce que il doit être en train de s'effondrer, enfin de risquer de s'effondrer. Et
en mocassin, en chaussons, ils sont en train d'essayer d'appeler pour leur oncle qui vienne le chercher. Voilà des gens qu'on voit partir de quitter cette rue avec des affaires. Mais l'avantage c'est qu'il y a l'autre humain qui est comme ça, ça fait des toits qui font ça devant, les fenêtres, on va un mur là. Donc ça prend un peu. C'est bon, le tracteur qui a fait. Donc là voilà, je viens de passer traverser une rue. Je peux pas trop m'approcher, je m'approcherai pas dans tous les cas parce que c'est pas à faire. Mais là il y a un pompier qui marche dans la rue, je passe devant des voitures de pompiers. Et il y a apparemment aussi un incendie, donc c'est pour ça que surtout il y a aussi des tuyaux d'eau qui sont mobilisés. Mais voilà, la rue est bloquée. C'est vrai qu'au bout de la rue, là je me suis rapproché, et au bout de la rue on voit vraiment un nuage de fumée, quoi. Je sais pas si c'est de fumée de l'incendie qu'il y a eu, ou des gravats qui se sont échappés. Qui se sont écroulés. Voilà, il y a un journaliste de LCI, deux journalistes de LCI, il y a des caméras qui pour l'instant voilà fixent la rue. Voilà, il y a beaucoup de gens, des passants peut-être, ou des gens qui sont liés aux médias, ou des gens qui ne savent pas qui s'arrêtent, qui viennent photographier un bataillon de pompiers plus bas là, sur le boulevard Eugène Pierre, qui est en train de le remonter. Il n'y a aucune voiture qui circule. Là je suis à l'angle du boulevard Eugène Pierre et de la rue Jaubert, vers le haut de la rue Jaubert. Là, je vois encore de loin les deux parents avec leur enfant, toujours en pyjama sans aucune affaire. Alors je sais pas si leur immeuble menace de s'effondrer ou s'ils en sont sortis par peur. En tout cas, tout à l'heure, j'ai vu que c'est le 17 rue de Tivoli qui s'est effondré, et il me semble au 15, ou en tout cas un immeuble qui le juxtaposait, qui menaçait aussi de s'effondrer. Il y a un bataillon de pompiers qui s'approche du haut de la rue Jaubert pour rejoindre le lieu de l'effondrement. C'est étrangement, en fait, c'est hyper calme. J'entends juste des bruits de moteur. Il y a les goélands qui volent un peu au-dessus de nous. Il y a un monsieur, sûrement un journaliste ou un photographe, par terre avec son appareil photo et son ordinateur assis par terre. Mais c'est tout. Il y a peu. Y a...
n'y a pas de brouhaha. Et ça reste assez, assez, assez calme, ouais. Je vois encore la mère qui porte son enfant. Eux, de ce que j'ai pu voir quand j'étais à côté d'eux et de ce que je vois encore maintenant, ils n'ont aucune affaire, aucun sac avec eux. Il y avait des gens avec des sacs à côté de moi qui attendaient devant la rue. Eux n'en avaient aucune. Ils étaient en chaussons. Là, il y a un petit groupe de pompiers qui va rejoindre la rue. Ils transportent des choses, des sacs. Un sac. Il y a un groupe avec une lampe torche et des casques qui devaient sûrement être mobilisés pour la recherche dans les décombres. À l'autre intersection entre la rue Jaubert et le boulevard Eugène Pierre, il y a donc un camion de pompiers qui a laissé déposer sur le sol une sorte de container, cellule sauvetage de déblaiement. Je vais m'approcher du pompier qui parle. Là, on peut en faire. Sur le point de prendre la parole, on a entendu un bruit d'essoufflement. Voilà. On attend à sa prise de parole. Un bruit d'essoufflement, il y a. On pense qu'il va nous donner des informations à ce sujet-là. En attendant, voilà, je vous le dis, hein, il y a toujours le feu qui est en cours, une centaine de marins-pompiers qui sont en train de d'essayer d'éteindre ce feu. Autour de moi, je ne sais pas, certains essaient d'aller chercher leurs affaires. Alors attendez, je crois que le pompier va prendre la parole. Voilà, je vous mets directement en contact. J'ai bien compris votre question au niveau du bilan. C'est bien au contact de préciser le bilan à l'heure actuelle. Bien entendu, c'est très comme ça, beaucoup de réalités. Ce qui est plutôt favorable, c'est que les appartements numéro 15 et 19 ont été clairement évacués de leurs occupants, notamment en utilisant un moyen aérien, une échelle qui a permis de récupérer 8 personnes, ce qui avait fondé sur la zone. Pour ma part, le possible, notamment les occupants du numéro 17. Putain, je m'appelle là. Les équipes civiles ne peuvent toujours pas travailler. Alors, on a le quartier.
l'immeuble, le parcourir gauche et droite, et effectivement, par rapport au bâtiment, à l'immeuble numéro 17, effectivement, les bâtiments mitoyens qui sont le 15 et le 19 sont fragilisés. C'est un secret pour personne. Néanmoins, le dispositif en place permet d'assurer la sécurité à la fois de la population. Alors, sur ce stade, l'évacuation doit être environ de 80 personnes qui ont été regroupées à la salle Vallier, qui a été ouverte par la ville de Marseille. Alors, je parle, je pense que c'était une dizaine ou une quinzaine de personnes dans la salle de la vie. C'est beaucoup par la famille, en général. Putain. Est-ce que j'ai une piste? Je sais pas du tout. Non, putain, c'est affligeant. Je suis bien inquiété. C'est de pouvoir engager les chiens le plus rapidement possible. Oui, oui. C'est la raison pour laquelle depuis 5h du matin, on a le chef-d'œuvre qui est en train de récupérer les rabats pour nous permettre un accès sécurisé. L'incendie est toujours en cours? Oui. C'est quel type d'incendie? Il recouvre une partie des décombres, c'est ça? Alors, il est recouvert par la totalité des décombres. Du coup, maintenant, avec en plus les décombres de 2015, pas d'origine du sinistre, hein. C'est lors de la chute des gravats. Aucun marin pompier n'a été blessé. C'est délicat pour vous à éteindre cet incendie, parce qu'il ne faut pas noyer les humides, mais évidemment, les personnes ne vont pas dans le sol. Oui, alors, il est délicat pour plusieurs raisons. Effectivement, il y a peu de chances de les noyer. Mais la plus grosse difficulté, c'est de pouvoir y accéder et travailler de manière efficace pour pouvoir l'éteindre. Et surtout de travailler en sécurité, de manière à ce que l'ensemble des services de secours puissent être en sécurité lorsqu'on s'expose. Malgré tout, il faut quand même se rapprocher du site. C'est la totalité de l'immeuble 15 qui s'est effondré ou il reste encore une partie qui menace? Alors, il reste une partie qui menace au niveau de l'immeuble numéro 15. Environ 70% s'est déjà effondré. Il va rester 30%, surtout de la façade. Oui, absolument. On a mis en place un système de télémètre qui va permettre de mesurer les mouvements. Et ainsi de prévenir avec le préavis le plus rapide possible d'un mouvement de la façade avant de retirer le mouvement. Vous disiez que vous repartiez quasiment au point de départ parce qu'en fait, tout ce qui vous a fait nous, c'était de déblayer les gravats pour accéder justement à cette incendie. Ça vous en rajoute en fait cet effondrement? Effectivement, l'effondrement de 4 étages effectivement numéro 15 a conduit à rajouter des gravats sur l'ensemble des gravats qui avaient été déjà levés de la surface à main d'homme, puisque depuis on n'a pas de moyens mécaniques. Donc ce sont les marins pompiers qui sont montés sur les gravats et retirés pierre après pierre pour accéder et en tout cas dégager les étages. Est-ce que vous pouvez recenser le nombre d'habitants? Oui, le nombre est totalement évacué au sein de son gravat. Vous effectuez un recensement dans le mode de l'immeuble. Oui, donc là je quitte l'interview du pompier
Il y a un monsieur qui a essayé de s'approcher en demandant s'il pouvait rentrer chez lui. J'imagine que c'est pas un immeuble qui menace de s'effondrer, mais qui est dans la zone, mais il n'a pas pu. Donc il retournait. Il y a une dame derrière moi qui disait qu'elle était choquée. Apparemment, Gérald Darmanin se rendra ici à 10h. Et donc là, il y a une troupe de journalistes un peu plus nombreuses déjà qui encercle le pompier. Une personne qui passe en vélo. Policier qui s'approche. Je disais oui, j'espère juste que quand j'étais près du pompier, je suis pas là pour me montrer, en tout cas. C'est pour ça d'ailleurs que je fais de la radio. Mais il y avait pas mal de caméras autour de ce pompier qui sont encore d'ailleurs. Il y a une dame aussi en habit assez assez léger en tong, juste avec une doudoune sur elle, et qui disait que je voyais dire et que j'entendais dire j'habite là, en tout cas voilà, dans ce secteur, et elle le disait d'une manière vraiment choqué, désespéré. Ah non, voilà, elle vient de montrer où elle habite. Elle n'habite pas dans le secteur même de l'effondrement, mais de l'autre côté de la rue Jaubert, mais elle reste tout autant choquée de ce qui se passe, de l'autre côté, côté opposé à son immeuble, là, au plus proche de la rue Tivoli, là où les effondrements ont encore lieu. Et ce que disait le pompier tout à l'heure, c'était que voilà, le numéro 15 s'était bien effondré, en tout cas en partie. J'ai pas pu entendre si c'était effondré complètement. Mais donc c'est deux immeubles a priori aujourd'hui qui se sont effondrés à Marseille. Voilà, là le pompier a fini de parler. Les journalistes se sont dispersés. Voilà, j'attends, il y a Gardou qui arrive là. Et voilà. Il y en a qui sont en lien avec leur rédaction. Il y a encore voilà, des pompiers derrière moi. Ils se sont dispersés, mais restent sur place. Là, il y a le journaliste de BFM qui va faire un direct.
pouvoir retrouver dans le flux. Mais moi, je ne mets pas. Je ne peux pas faire les deux, non ? Je ne crois pas. Ouais, ouais, non, mais j'adore, je l'ai fait tourner depuis 8 mois et. Mais m'a rapporté son conscience, parce qu'on a expliqué justement dans le live après que ça s'était dit. Il peut y avoir des survivants. C'est pas impossible. Je lance comment On a plus de 400 personnes qui ont été évacuées dans cette rue de Tivoli. On est en plein cœur de la cité française, dans le 5e arrondissement de Marseille. 80 personnes qui ont été rapatriées dans une salle voisine. Il en resterait une dizaine ce matin. Voilà ce que nous annonçait le commandant des opérations de secours. Il nous explique également que la tâche est extrêmement compliquée pour ces marins pompiers, puisque l'incendie qui coule sous les décombres est toujours en cours. Résultat, des équipes ne peuvent pas commencer à travailler. Impossible pour les chiens de rechercher d'éventuelles victimes sous les décombres. Ils ont l'espoir que les chiens pourraient commencer à travailler bien d'ici le milieu de matinée, mais pas question pour eux pour l'instant de déclencher cette nouvelle opération qui s'annonce vitale pour pouvoir espérer retrouver de nouvelles victimes. Une explosion qui a donc eu lieu à minuit 40 sur un effondrement suivi donc de cet incendie. Tout à l'heure, il y a un peu moins d'une demi-heure, une partie du numéro 15 s'est effondré alors que les marins-pompiers travaillaient juste à côté, mais fort heureusement il n'y a aucune victime à déplorer chez les marins-pompiers. Bref, les opérations de secours, elles sont toujours en cours. On ignore quel est le véritable bilan de ce drame qui s'est donc noué cette nuit à Marseille.